avec Armador. Des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde et notre cabou. Attention, nous sommes les Crash Mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Incinération. C'est un mot facile. Très, très facile. Merci! Merci! Incinération. I. M. Oh! Non! Minute! Attends. Ah, c'est ma faute. Je me suis trompé d'effet sonore. Excuse-moi. Ça me tente plus de participer au concours. Mais t'es super bon en appellation. Peut-être, mais je suis pourri en compétition. Ça me stresse trop. Ouais. Mais tu pourrais faire quelques mouvements d'arts martiaux pour évacuer ton stress. T'es super fin de vouloir m'aider, Greg. Mais je me vois pas du tout faire des... ça devant tout le monde demain. Ouais, j'admets que ça serait un peu bizarre. Mais t'es pas obligé de le faire pour vrai. Non, t'as juste à te fermer les yeux et t'imaginer en train de faire le mouvement. Tu vas voir, une fois que t'es calmé, le mot va apparaître dans ta tête. Incinération. Essaie-le. I-N-C-I-N, accent aigu, R-A-T-I-O-N. Bravo, tu vois, ça fonctionne. C'est pas pareil. Je suis pas dans une vraie compétition. Je suis même pas stressée. Ouais, c'est une question d'entraînement. Ben, c'est pas compliqué. Mais là, je vais t'organiser ici même un concours d'épellation. Quand ça? Aujourd'hui? Ben, évidemment. Ta compétition est demain. Ne suis-je pas génial d'avoir demandé à mon équipe de chercheurs d'inventer cette magnifique machine? Ah oui, ça c'est vrai, chef. Je prends seulement vous pour inventer une nouvelle boule de disco. Une espèce de petite tête de noix indigeste! Mon invention s'appelle un télébosch. Ces lumières-là sont pas décoratives. Elles permettent de téléporter un cerveau dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est simple. Disons que... ceci, c'est toi. Et ceci, ton cerveau. Le télébosch permet de téléporter ton cerveau dans la tête de quelqu'un d'autre. Oh, monsieur le chef, qu'est-ce que ça veut dire téléporter? Téléporter, ça veut dire transporter quelque chose d'un endroit à un autre. Mais pas n'importe comment, en le faisant disparaître et réapparaître à l'endroit désiré. Vous voulez faire disparaître mon cerveau pour le faire réapparaître où, chef? Bonne question. Le télébosch fait disparaître les cerveaux pour les faire réapparaître dans la tête d'une autre personne. Tu prends alors le contrôle de cette personne. Tu comprends? Ça veut dire que si ce télémachin transporte mon cerveau dans votre corps, je vais pouvoir vous contrôler? En théorie, oui, mais ça n'arrivera pas. Il y a un petit radar dans cette invention géniale qui permet de localiser des karmadors. Et c'est dans leur corps qu'on va se transporter! Mais pourquoi on voudrait se transporter dans leur corps, chef? Pour les contrôler. Si on contrôle les karmadors, on va enfin montrer au grand maître qu'on peut contrôler le monde! Merci d'avoir accepté de présider le concours. Ça va faire plus officiel. Je me suis très bien préparée. En passant, il y a eu un immense carambolage dans l'ouest de la ville. J'ai envoyé Titania pour aider les secours. Voulais-tu que je l'accompagne? Elle va communiquer avec moi si elle a besoin d'aide. Monsieur, madame, veuillez prendre en place. Le concours d'épellation va commencer.
Esther va présider la compétition et moi, je vais agir comme coach des participants. Allez-vous ajuster les questions entre Éloi et moi? Ne t'inquiète pas, j'ai étudié tout ça en profondeur et j'ai choisi des épreuves appropriées pour chacun de vos groupes d'âge. La première question est pour Éloi. Épelle-moi Iterbium. Quoi? C'est un mot un peu trop compliqué pour un jeune. Détruis pas la confiance des lois comme ça. Iterbium, tout le monde connaît ça. C'est l'élément chimique de numéro atomique 70. Il a une masse atomique de 173,04. On va faire une pause, le temps de réajuster mon niveau de difficulté. Oui, monsieur, madame, nous allons prendre une petite pause pour aider notre présidente à descendre le niveau de ses questions. Allez donc prendre un jus pendant ce temps-là. Plusieurs véhicules sont impliqués. Les services d'urgence sont débordés. J'y vais. Tu vas t'ajuster à leur niveau, hein? Promis. Maintenant que tout est prêt, quel corps de Carmador voudrais-tu contrôler? Ben, je sais pas, moi. Disons, Titania. Bien sûr. Il s'agit que de programmer le télébauche. Voilà. Quant à moi, je vais contrôler Chrono. Mais oublie pas, quand tu auras possédé le corps d'un Carmador, tu devras agir comme un Carmador, hein? Et comment je fais ça, chef? T'as qu'à être poli, aimable et gentil avec les enfants. Prêt? Non. Qu'est-ce qui arrive avec nos corps pendant ce temps-là, chef? Question stupide, idiote et ridicule. C'est parce que moi, je l'aime, mon corps, chef. Bon, laisse-moi 2 secondes, je vais regarder dans le livre d'instructions. Consultez le chapitre sur le possesseur, page 300. Référez-vous à la note au bas de la page 2. Voir page 3. T'as n'y rien comprendre. Prêt, pas prêt, on y va. On serait pas mieux de vérifier avant, chef. Je l'ai fait. Il n'y arrive rien à nos corps. Ils restent ici, sagement. Bon, assez de placotage. On a un monde à envahir. Oui, ben je vais vous aider, chef. Non. T'as défait les coordonnées des Carmadors. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais plus dans quel corps nos cerveaux vont être téléportés. Est-ce que possession est un mot trop difficile pour toi? Non, je suis capable. C'est juste un jeu. Fais comme Greg t'a montré. Ferme tes yeux, bouge tes oreilles, puis tu vas voir, le mot va apparaître. Georg? Est-ce que c'est toi? Arrête de trembler, tu vas nous faire repérer. Qu'est-ce qui se passe? Pas de masque? Pas de costume? Je me suis téléportée dans le corps d'une personne. Normal? Ouais, c'est pas mieux pour moi, chef. Je suis pris dans ce minuscule corps maigrichon. Et sale savon! On n'a pas été transporté dans le corps d'un Carmador, mais je suis certain qu'ils sont pas très loin. Il faut faire enquête. Ça marche! Je vois apparaître le mot tranquillement. Et qu'est-ce qu'il dit, chef? Je sais pas trop, c'est peut-être un code. Je sais comment épeler le mot possession. Pourquoi as-tu besoin d'épeler ce mot-là? Est-ce un code quelconque pour appeler les Carmadors? Hein? Pas Carmador, possession. C'est le mot que vous m'avez demandé d'épeler pour la compétition. Quoi? On fait une compétition pour épeler des mots? Mais j'ai mouru là-dedans, moi! Mais c'est pas grave, c'est juste un jeu. C'est toi-même qui me l'as dit. Pourquoi on joue pas à celui qui réussit à toucher son nez avec sa langue? Je suis super pro dans ce jeu. Pas autant que moi.
Allez, mon petit têtard. Je veux dire, mon petit garçon. Essaie. Ils sont pas normales. Ils ont une drôle de voix. Ah, je pense que je comprends. Ils font juste ça pour me tester. Je vais toutes vous battre. Il y a pas plus pro que moi là-dedans. Mais c'est pas mon corps, ça! Je pue! Calme-toi, Clara. Il y a sûrement une explication à tout ça. Comment ça se fait que vous savez qui je suis? C'est moi, Esther. Qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment vous? Juste avant que tout ça arrive, on faisait une compétition d'épellation. J'ai demandé à Éloi d'épeler le mot possession. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas encore. On dirait que nos corps ont été modifiés. Mais... je suis déjà venu ici, moi! Oh non! C'est le quartier général des Crash-Mal! Vite! Faut partir d'ici! Attends! Avant, il faut comprendre ce qui nous est réellement arrivé, OK? Oh! Ça va? Oui, j'ai essayé de sourire, ça m'a fait mal aux muscles du visage. Cette personne-là doit pas avoir l'habitude de sourire. Oh, wesh! Ça sent le fond de poubelle pourrie! Quand on est arrivé ici, on avait un casque sur la tête qui nous reliait à cette machine-là. Ça doit être à cause de ça qu'on est ici. Tiens. Le télépoche, le meilleur téléporteur de cerveau au monde. Notre cerveau a été téléporté. Dans le corps d'un crash-mal! Ça veut dire que... ça... c'est le corps du gros monstre puant! Wesh! Non! Mais là, je comprends pas! D'habitude, je peux facilement le faire! Vous trouvez pas que c'est un petit peu... stupide comme compétition? Je pense que c'est impossible de toucher son nez avec sa langue. Espèce de poireau sans génie! C'est pas impossible, je viens juste de le réussir. Vous avez pas touché votre nez! Vous avez juste sorti votre langue! Ben, ma langue est bien plus vite que l'œil d'un humain minus comme toi. Je veux dire d'un garçonnet de ton âge. Bon! Maintenant que je viens de me déclarer la grande gagnante, quel est mon prix? Ben, je crois pas qu'il y ait de prix. Oh, ben là, s'il y a pas de prix, moi, je joue plus. On serait pas à l'épicerie, par hasard? Oui. Oh! Wow! Si on me cherche, chef, je vais être dans la boucherie. Je vais aller espionner ma graisse de couleur. Parfait, parfait. Bon. Trêve de batifolage. Tu vas me dire tout ce que tu sais maintenant. Oui, maître. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je pue, je pète, je rote. J'en peux plus. T'en fais pas, je vais nous sortir de là rapidement. Bon, je sais maintenant comment ça fonctionne. Déjà? Tu viens tout juste d'ouvrir le livret? J'ai lu en diagonale. Bon, pour tourner dans nos corps, il s'agit simplement d'entrer un code. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'électricité qui est sortie de tes doigts. Je vois bien ça. Ça va? Je suis incapable de me contrôler. Tu penses que t'as brisé le télémachin? On va devoir la porter à l'épicerie pour le réparer. On serait pas mieux d'appeler les Karmadors? Oui, on va le faire rendu à l'épicerie. J'y pense.
si on a pris la possession du corps d'un crash-mal, ça veut dire que... Que les crash-mal ont pris possession de notre corps? Wesh! Calme-toi, Clara. Va surveiller l'entrée pour t'assurer qu'un crash-mal n'arrive pas. Je vais voir ce que je peux faire. Oui, mais les Carmadors... Fais ce que je te dis. S'il te plaît, ma chouette, ce serait gentil d'aller surveiller l'entrée. Ma chouette. J'ai plutôt l'air d'un camion de vidange. Oui, Chrono. Ici STR. Non, c'est pas ma voix, mais c'est bien moi. Je vous jure que c'est moi, je vais vous le prouver. Il y a un code rouge dans l'allée 13. Écoutez-moi bien maintenant. Pour la centième fois, dis-moi où est le repère des Carmadors. Les Carmadors, ça n'existe pas. Oh, suffit, t'es un coriace. Mais j'en ai vu d'autres. Je vais te casser le minus, même si pour ça, je dois utiliser la torture. Tu touches à un de ses cheveux et je fais de la litière à chat avec toi. Ah, je me doutais bien que j'étais pour tomber sur un Carmador. Crotte de mammouth! Je n'ai plus mon super pouvoir d'électrocution. À nous deux maintenant. Tu vas vraiment frapper sur une femme sans défense? Sous mon contrôle. Je suis sous votre contrôle. Ah, pauvre idiot. Je n'ai plus mon super pouvoir d'électrocution, mais je suis toujours aussi bien hypnotisée. Dors. C'est toi qui va dormir. Éloi, réveille-toi. Greg, qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Qu'est-ce qui est arrivé à Esther? T'es tellement bizarre depuis tantôt. C'est rien. Non, c'est rien. On a reçu un appel de la ville. Oui, puis il y a une fuite de gaz dans le quartier. Est-ce que c'est pour ça que j'ai comme dormi il y a 2 secondes? Oui, c'est ça, c'est exactement pour ça. Mais t'inquiète pas, hein, le gaz est inoffensif. Mais pourquoi t'as attaché Star dans ce cas-là? C'est parce que je... C'est juste pour pas qu'elle se fasse mal en se réveillant. Greg, viens m'aider. Je suis dans l'entrée. J'arrive! Greg! Hein? Mais c'est qui ces messieurs-là? C'est les techniciens de la ville qui sont venus réparer la fuite de gaz. Mais tant que les lieux sont pas sécurisés, j'aimerais mieux que tu restes dans l'arrière-boutique. OK. Pas de problème. Le corps de ce gros monstre puant est peut-être fort, mais il est pas très en forme. Oh! Greg! C'est moi, Clara! Oui, je sais. Esther m'a tout raconté. Il faut absolument m'aider à réparer cette invention. Ce sont les crash-mal qui ont fait ça. Oui, ça aussi, je le sais. Comment je peux t'aider, Esther? Il faut réparer cette machine. Je peux pas y toucher parce que j'émets l'électricité. Je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que t'as vu mon corps quelque part? Non. Mais tu devrais pas être très loin. Je vais aller voir. Bon. Je crois que le choc électrique a juste détaché les deux fils. Si je les reconnecte, ça devrait fonctionner. Mais si vous redonnez vous-même... Je vais devoir faire très vite pour neutraliser Georg et Ryu. Non, le livret d'instruction indique que le choc du retour est très grand. Ryu et Georg devraient être KO pour un bout. Vite, Greg! Viens m'aider! J'arrive! Attends, si la machine est prête à fonctionner, il y a juste à ouvrir l'ordinateur et à entrer un code. Vite, Greg, c'est urgent! Viens m'aider! Éloi!
Viens aider le technicien de la ville. Je lui ai dit que t'étais un technicien de la ville venu réparer une fuite de gaz. Un gaz qui rend les gens un peu bizarres. Je reviens dès que je peux. Oh, chaud, espèce de gros dégueulasse! J'aime trop la graisse. Je peux pas m'arrêter. Mais qu'est-ce... Oh, Fiu! T'es ici! Les émanations de ton corps m'étouffent, là. Excuse-moi. Lâche le pot de graisse. Immédiatement! Un pas de plus! Et j'avale le pot au complet. Dépêchez-vous à désamorcer l'invention! Ça urge ici! Maintenant que tu as accédé au terminal, t'as juste à entrer le code et cette machine-là va aspirer tout le gaz dans l'épicerie. C'est bien bizarre ce qui sort de vos mains. C'est seulement un peu de statique. Bon, maintenant, tape le code électrocution sur le clavier et le tour est joué. D'accord. Électrocution. Comment ça s'appelle déjà? E, accent aigu, A. Entre le code, vite! Dépêchez-vous! Calme-toi, Éloi. Calme-toi. T'es capable. Électrocution. E accent aigu. L. E. C. T. R. O. C. U. T. I. O. N. Bravo! Oui! Je suis fier de toi. Même stressé, t'as été capable d'épeler le mot. Moi aussi, je suis très, très fier de toi. Grâce à ton courage, la fuite de gaz a été réparée. Comment va Clara? Elle est allée s'étendre un peu, elle avait un petit mal de ventre. Mm. Ça prouve juste une chose. Les Carmadors, eux, ils existent pas. S'ils existaient vraiment, ils seraient venus nous aider. De toute façon, tant qu'on a des héros comme toi pour nous protéger, qui a besoin des Carmadors? Ben, c'est comme... Est-ce que tu te sens prêt pour la compétition de demain? Certain, j'ai même super hâte. Je vais aller me reposer un peu pour être en forme. Salut! Salut. Oui? Est-ce que t'as réussi à capturer les Crashmals? Non. Ils ont dû s'enfuir. Pourtant, le livret d'instructions indiquait qu'ils allaient être KO un bout de temps. C'est ce qui s'est passé avec nous. À moins qu'ils soient pas retournés dans leur corps respectif. C'est bien. Mais ce serait pas la première fois qu'une invention des Crashmals fonctionne mal. Voyons, Georg, espèce de grand fainéant, c'est pas parce que t'as pris possession de mon corps que tu ne peux pas m'aider. Je peux pas, chef. Je vais faire cuire votre télépoche. Georg, as-tu fini d'électrocuter mon corps comme ça? Je suis pas capable de me contrôler, chef. Oh, tout ça à cause de cette maudite invention maudite qui marche aussi bien que ta cervelle de moineau putrifié. Ça vous a fait du bien, chef? Eh bien, immense. J'ai seulement une petite question, chef. Comment on fait pour tourner dans nos corps maintenant? Deviens un Carmador et affronte les Crashmals. Tape téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmals la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmals. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.